Yo, vous allez bien? Parce que moi non. Je vous explique, comme vous le savez, j'invoque tous les jours sur Hades depuis maintenant presque 2 semaines. Hein, presque 2 semaines, on a commencé donc le jour de sa sortie. Et sachant que le portail reste 2 semaines, je me suis dit, je vais faire mes 40 singles journalières. Au bout d'un moment, j'aurai aux éclats, voilà. Ou j'aurai même mon invocation, ou voilà. Je me suis dit, oh, pas besoin de se presser. Il viendra tout seul. Je le recherche pas, je l'aurai au fur et à mesure, c'est pas grave. Mais c'était sans oublier la pose légendaire du joueur français que je suis et qui n'a reçu que très peu de shards en invoquant. Alors je vous explique, là on en est au point où, sachant que les paliers se sont reset la semaine dernière, vu que ça durait 2 semaines, j'étais à 300 invocations, là je suis à 70. Ok, sachant que j'ai fait 40 invocations par jour la première semaine et que après j'ai continué à partir de ce mercredi là à faire une multi par jour pour atteindre le palier des 100 invocations du coup et pouvoir récupérer tranquillement des shards pour pouvoir invoquer le perso. Donc on sait qu'en moyenne c'est 3-4 shards par multi, donc 10. Sachant ça, on peut supposer sans trop s'avancer que au bout de 100 shards on a 30-40 éclats. Jusque là, le calcul est simple, d'accord. Mais le fait est que moi, en l'occurrence, j'ai invoqué donc 370 fois, donc les 300 fois le palier à reset plus les 70 fois ici. Et alors, j'ai pas eu Hades, c'est une chose. Hein. Bon, ça, c'est le jeu, ça se conçoit. Mais la différence est que j'en suis à 106 shards. 106 shards pour 370 invocations. Sachant qu'on a 3-4 shard par multi normalement. Je vous fais le calcul très simplement. Moyenne basse, on va être sur du 90 éclats pour 90 éclats pour 100 pour 300 invocations pardon. Et moyenne haute, on va être plutôt autour des 120. Le problème est que je suis à 106, sachant que j'ai invoqué 370 fois. Et vous allez me dire, mais bon, t'es un peu en dessous des taux. Mais rien du tout. Non, que nenni. Faut savoir que les éclats, en fait, on les chope aussi avec les récompenses journalières. Donc, à savoir que j'ai invoqué 3 fois par jour, que j'ai récupéré 40 fois par jour, que j'ai récupéré 3 éclats, du coup, ce qui fait 21. Et plus... Et bon, j'ai fait des petites multi à droite à gauche. Donc, en gros, j'ai récupéré 30 shards avec simplement les succès, en fait, les récompenses. Ce qui fait qu'on soustrait ça aux 106 que j'ai, plus une de la guilde. Donc, ce qui nous fait un total de 75 shards pour 370 invocations. À ce moment-là, tu te dis qu'il y a une petite carotte dans l'air. Parce que, on va faire le calcul vite fait à la calculette. Hein. Hop, 370 divisé par 70. Ce qui nous fait une shard toutes les 5,3 invocations, sachant que normalement c'est toutes les 3-4 invoques. Donc je me suis fait un peu pisser dessus par ce portail et une fois n'est pas coutume, on va faire la multi du jour sur celui-ci afin que j'ai mon petit palier à 100 qui soit débloqué. Donc voilà, petite vidéo pour vous donner des nouvelles et puis pour vous montrer où j'en suis en PVP, où j'ai fini la saison et la team que je joue. Donc à savoir que je cherche plus Yoga Pog que Hades en ce moment. Malgré que je me sois fait shaft sur le portail. En plus j'ai eu aucun perso intéressant, j'ai eu Pandore comme nouveau perso. La Pandore qui va me servir à que dalle en fait, parce que je vais pas la monter du tout. Actuellement en fait je suis en train de jouer. Alors la team, je vais vous la montrer. Alors j'ai fini Diamant 1 en faisant mes victoires journalières comme d'hab. Hein, vous savez que je tryhard pas le PVP. Je devrais hein, comme avec la série que j'avais montré à l'époque. Quand on faisait le petit road tout immortal, j'aurais pu le faire, mais j'ai la flemme à chaque fois. Je fais mes 3 victoires par jour, des fois je les fais même pas. Faudrait que, je pense, pour passer mortal, je fasse en moyenne 7-8 combats par jour. Donc ce que je peux faire, mais bon voilà, vous me connaissez. Hein. La flemme et moi, ça se connaît. Et du coup, je vais montrer la team que j'utilise en ce moment. Et pourquoi je veux absolument Yoga Pog. Pourquoi je veux absolument ce petit Yoga Pog. Et si j'aurais su que... que j'en avais aussi besoin, j'aurais hard pull dessus clairement. Donc
Voilà la team que j'utilise actuellement. Donc, ici on a Ikki qui est ban les trois quarts du temps. Donc ce que je fais quand Ikki... Alors déjà j'ai Minos. J'ai Minos à la place de qui déjà. La plupart du temps Jamian je le mets en dehors ou Misty un des deux. Bon là on va virer Misty, tiens. On va virer Misty, on va tester comme ça. Voilà la team que j'utilise en premier lieu si Ikki n'est pas ban. Quoique des fois j'alterne entre Jamian et Misty. Ça dépend de la compo adverse en fait, parce que Jamian il va vraiment permettre d'avoir beaucoup de vitesse et de venir contrôler quelqu'un. Ça m'arrive de pas ban Ikki des fois et que Jamian vienne le contrôle T1 puis Minos prenne le contrôle derrière. Et tout simplement que le ban de Ikki s'avère inutile parce que il a rien fait de la game. Joue aussi Doko qui est très très fort pour le coup. Alors je vais vous montrer un peu là. Du coup, comment je les joue. En face, on a un Milo. Donc, Milo qui a eu son Reaper Close, qui est devenu très très fort pour le coup. Et on a bien sûr El Famoso Ikki, qui a moins de vitesse que le mien. Donc, je vais pouvoir partir avant lui. Mais ça va être une sacrée galère à ce niveau-là. Donc, on va venir poser tout simplement la petite bénédiction sur qui. Bah, sur Poséidon. On va la poser sur Poséidon, hop. Sachant que Kiki va nous servir que les premiers tours pour donner un peu d'énergie. Donc d'endurance. On va venir s'envoler directement par là. Bon alors le Ikki là, j'ai commencé à un peu le monter mieux. Sachant que j'ai que les branches level 5 et pas level 6. On va avoir du 6000 d'attaque C. Niveau vitesse, il a... Alors je pourrais avoir beaucoup plus en vitesse, mais j'ai voulu caper à 450 pour pas qu'il joue trop tôt en fait. Et niveau vita, je peux faire beaucoup mieux. Donc il y a encore un axe d'évolution qui est quand même assez énorme à ce niveau-là. Mais bon, en ce moment, je suis un peu en haisse de tout ce qui est matériaux de raffinement. Donc ça va être compliqué. Donc, alors la technique, quand vous êtes contre un Ikki, elle va être assez simple. En fait, vous allez devoir mettre une seed sur le perso qu'il focus. Alors là, ce que je vais faire, moi je vais aller contrôler directement la June pour qu'elle meure assez vite. Parce que, hop, sans June, le combat il va durer Oula, il va durer moins de temps, mais. Je me suis en train de me faire éclater la gueule. D'ailleurs, ma June, elle a combien de PV? Je l'ai monté level 80, ça y est. On va avoir du 39 000, mais elle prend quand même cher. Hein. Comme vous le voyez, c'est un délire. Hein. C'est un sacré délire. Alors je pense qu'il est bien monté son équipe pour le coup. Ouais, ça va, il est bien monté, ouais. Il est bien monté. Bon, on est en train de se faire salement... Bon, après, on a encore le shield de... On a encore le shield de la dinde dragon qui est dans proc. Alors, ici, d'habitude, ce que je fais, que j'ai pas pu faire là, quand j'utilise Misty, en fait, je vais avoir, si le rock proc, un d'énergie en plus, et je vais venir mettre une seed, tout simplement, sur le Misty. Donc, ça fait quoi? C'est la seed de Poséidon. A fait qu'elle renvoie des dommages quand le perso est attaqué. Ou je la mets sur le perso que le phoenix focus. Donc à chaque fois que le phoenix va venir le taper, ça va renvoyer des dégâts. Alors le principe, c'est que vu que j'ai Minos et que je le contrôle, je vais venir attaquer le perso avec Minos qui a l'acide. Et vu que Misty provoque, double utilité, on va venir aussi contrer. Mais c'est vrai que là il manque un d'énergie. Bon, je peux pas faire autrement, il manque un endurance, c'est la vie, hein, faut jouer avec. Comme vous voyez là, il prend plutôt cher. Enfin, tout le monde prend cher là pour le coup. Tout le monde prend très très cher. Hop, on va venir le hit tout simplement là. Le Milo, il va faire très très mal, je pense. Enfin, attention, non, ça va. Ça va aller. On va pouvoir tuer le Poséidon. Je suis plutôt content à ce niveau-là. On va quand même lui mettre une auto-attaque. Je pense qu'il va mourir, mais on va quand même lui mettre une auto-attaque, voilà. Hop. Pour s'assurer qu'il soit mort. Donc Poséidon, mort, ça c'est très bien. On va venir apposer la petite site pour que je vous montre. Alors, le quiz mondial, on le fera plus tard. Hop, on va mettre la site sur la June. Donc, il va venir taper la June. Voilà. Et il va se prendre donc le renvoi. Hop. Vu qu'il a plus de June lui-même pour se protéger, et bah son phoenix il va tout simplement prendre giga cher. Donc là, on va perdre Kiki, mais ça aux F x 100. Voilà. Et puis là, on va venir taper aussi la June. Hop. Et sa June va venir mourir directement. Voilà. Et Ikki qui va venir se destransformer. Hop. Direct. Donc moi, ce que je fais dans un premier temps, c'est que je focus beaucoup la June. Son Milo. Son Milo joue quand? Je le vois pas là. Son Milo. Bon, on va in Minos. Voilà. Je le voyais pas jouer. Tu m'étonnes.
Hop, on va venir contrôler Minos directement. Ah, Minos, si je raconte. On va venir contrôler Ikki directement, pardon. Ah. Grosse erreur que j'ai fait là pour le coup. J'aurais pas dû la faire. Bon, après, ça va aller parce que. Ça va aller, je pense, mais. C'est vrai que. Grosse erreur ici. Vous allez voir, il va faire très très mal. Hein. Ouais. Oh, les dégâts de son. Bon, malgré moi, je vous ai montré les dégâts de son petit Milo. Comme vous le voyez, il fait très très mal. Hein. Il rigole zéro. Hein. Bon, là, on va venir contre. Bon, j'ai mal joué. Hein. J'ai mal joué concrètement. Là, j'ai mal joué. J'ai un peu trop pris la confiance, mais bon, c'est pas très grave. Mon Minos va mourir là, par contre. Enfin, je dis c'est pas très grave, mais ça se trouve, je vais perdre sur ça en fait. Ça va être compliqué, hein. Ça va être très très compliqué pour le coup. Heureusement qu'il focus Minos. Heureusement que il focus, pardon. Pourquoi j'ai du Minos à chaque fois? Heureusement qu'il focus. Comment il s'appelle? Qu'il focus. Ah, j'ai plus le Milo. Voilà. Bon, là, c'était prévu. Hein. C'était prévu. Son phénix vient de détransformer le mien. Mais ça, c'est pas très grave. Parce que je vais repartir directement. Et je vais faire la résurrection. Parce que si Milo serait mort, ça aurait été beaucoup plus problématique pour le coup. Attends, quoique. Ouais, non, en fait, c'est compliqué. Quoique, en fait, ça va être quelque peu compliqué. Tout compte fait. Je vais devoir. Ah ouais, je sais même pas si j'ai assez de. Ah ouais, ça va être. Ouh là là, ça va être chaud là en fait. Ça va être très très chaud cette histoire. Quel nul je suis. Oh là là, la honte. Oh là là, cette honte. On va venir essayer de le détransformer. Alors ça c'est le combat le plus équipe, épique que vous avez vu je pense. Combat incroyable hein. Oh là là, qu'est-ce que j'ai. Bon après je pense que je vais gagner quand même. Donc voilà, je voulais vous montrer la petite team que je jouais. Alors qui est assez cool ma foi, j'aime bien moi. Sauf quand on fait n'importe quoi comme ça et que ça dure 500 ans parce que le Ikki d'en face. Ah putain, je vais limite crever là, en plus. C'est un délire. En plus, il a. Allez, il va se retransformer. Oh là là, cette catastrophe. Bon, ça va, il va pas. Il va se heal juste avec le. Il a focus Minos, donc heureusement pour moi. Mais oui, du coup, je voulais vous montrer un peu la team que j'ai utilisée. Et puis. Putain, mais je me prends giga cher là. Oh le délire. La team que j'ai utilisée un peu, et puis surtout le petit la petite claque que je me suis pris sur Hades, hein, ça fait toujours plaisir de partager tout ça. Et d'ailleurs, je vais pas gagner là, je vais mourir. 3. Je vais mourir, les gars. Ce combat épique que je vous aurais mis. Bon, je vais le laisser quand même sur la vidéo parce que c'est tellement con que je vais vous le laisser. Donc voilà pour cette petite vidéo. Je vous rappelle que je suis en live tous les soirs sur Twitch. Donc on essaie de faire un maximum de trucs. C'est assez sympa. N'hésitez pas à passer. Et puis je vous souhaite de meilleures invocations que moi. Et puis portez-vous bien. Bonne soirée ou journée. Ciao, ciao. À la prochaine.